Ce qui m'amène à Paris, d'abord, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité ici ce soir. Ce qui m'amène ici à Paris, ici en France, c'est juste une confirmation de notre mouvement qui est en train de prendre une ampleur qui n'a pas de nom. Je parle ici de Ndap Bikoko, mouvement dont le but est de rassembler tous les enfants de la grotte de Ngorli Touba, où qu'ils se trouvent. Et aujourd'hui, Ndap Bikoko est honoré. L'idée est partie de multiples décès que nous avons eus dans notre communauté, dans la communauté Bassa-Batimpo. À chaque fois qu'un de nôtres partait ou décédait, on était obligé de faire la quête de porte à porte. Et du coup, cette idée est survenue pour que, disons, c'était l'idée de masse. C'est-à-dire, plus on est nombreux, moins nous cotisons pour accompagner notre frère décédé. Aujourd'hui, le mouvement a près de 2000 membres. Ndap Bikoko a vu le jour en 2018, le 1er septembre 2018 à Duisbourg en Allemagne. Et depuis lors, le peuple de la grotte s'est retrouvé et le peuple n'est plus orphelin. 3 ans déjà, le bilan, nous avons eu à accompagner 22 de nos frères. Ça fait 220 000 euros, un bilan positif. Et puis le but était, c'était pour que nos frères ne soient plus enterrés à l'extérieur. Que vous ayez des papiers ou pas, que vous soyez assuré ou pas, vous recevrez, la famille recevra 10 000 euros. Et les 10 000 euros sont répartis par le nombre de membres. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de remettre à ce billet. Ça semble être une consécration. C'est une consécration collective. C'est comme une équipe de football qui a un capitaine. C'est moi qui suis ce capitaine et je suis là pour représenter le mouvement. Et c'est une confirmation que le peuple de la grotte est en train de se réveiller. Alors, 2000 membres, oui, mais on peut imaginer qu'il y a quelques réticents. Pourriez-vous comme ça un message à ceux qui hésiteraient encore à rejoindre, n'est-ce pas, ce peuple de la grotte dans le permis? Oui, le peuple de la grotte, toutes les portes de Ndap Bikoko sont ouvertes. Et comme toujours, au début de chaque projet, il y a toujours des réticences. Et au départ, c'était un scepticisme, je dirais même négativiste. Mais aujourd'hui, tout se concrétise, c'est du concret. Et là, presque tous les jours, nous avons de nouveaux adhérents. Et j'appelle tous les Bassa Batimpo, où qu'ils se trouvent, de venir rejoindre ce précieux mouvement. Mais je crois que Ndap Bikoko est unique. Il n'y a pas de comparaison à faire. Tout ce que nous voulons, c'est le progrès de la diaspora, des enfants de l'Afrique, ceux qui viennent de l'Afrique. Mais Ndap Bikoko est unique à son genre. Parce que Ndap Bikoko, ce n'est pas du business, c'est de la famille. Alors, Jifador, quelle impression globale faites-vous de cette entité, d'autant plus que par le passé, il y a eu des hommes politiques qui sont passés par là. Aujourd'hui, c'est vous. Quelle idée générale faites-vous de ce mouvement? Je suis tout simplement heureux. Je suis tout simplement surpris et comme je vous l'ai dit au départ, c'est une distinction collective. Je suis tout simplement le capitaine qui représente le mouvement Ndap Bikoko Pilingwea. Merci. C'est moi qui vous remercie.